Nous sortons à l'instant de la cellule de crise que je viens de réunir en mairie et nous venons de prendre des décisions importantes. D'abord, l'ouverture de la mairie. À l'image de ce qui s'est passé la semaine dernière, je pense qu'il est utile aujourd'hui de réduire l'ouverture de la mairie pour protéger nos agents. Ainsi, à partir d'aujourd'hui, la mairie sera ouverte le lundi, mercredi et vendredi matin de 9h à midi, mais une plateforme téléphonique est mise en place du matin au soir 18h pour prendre des rendez-vous pour des actes indispensables à réaliser et vous viendrez, s'il vous plaît, au moment d'ouverture de la mairie. Deuxièmement, nous avons pris aussi des décisions sur les marchés, car nous sommes confrontés entre la nécessité de nourrir la population d'Auray, mais d'éviter les surcharges des grandes surfaces et des petits magasins. Avec des marchés bien organisés, des règles respectées, c'est aussi facile de faire les courses sur un marché plutôt que d'aller dans un autre magasin. C'est pareil. Donc, aujourd'hui, à partir de demain, le marché de Buzerval sera fermé, car il y a aussi des répartitions géographiques que je tiens à respecter. Le marché de Jaurès, le marché de Place Jaurès, sera ouvert. Le mercredi, le marché de Gourdade restera ouvert. Le vendredi, le marché de Buzerval et de Reuilly-sur-Seine resteront ouverts. Le samedi, le marché Jaurès restera ouvert. Et le dimanche, la place d'Outary, le marché de Gourdade et le marché Bio Place de l'Église seront ouverts. Pour répartir géographiquement et qu'il y ait une possibilité de s'alimenter dans des conditions bien organisées. Mais nous allons durcir les règles d'accès au marché et les règles de fonctionnement pour mieux protéger l'ensemble de la population et aussi protéger les commerçants. Nous avons pris des décisions concernant l'ensemble du fonctionnement de nos services. Merci à tous nos agents qui sont présents au quotidien pour pouvoir assurer le service public parce qu'ils sont admirables et je tiens à leur rendre hommage devant vous. Nous allons soutenir l'action du centre Covid-19 qui s'est installé à l'hôpital Stel avec la communauté des médecins de Rueil, présidée par le docteur Lemarie, et nous faisons en sorte de faire le tour de tous les établissements sanitaires tous les jours pour voir les besoins qu'ils ont et essayer de les satisfaire à tous les niveaux. Voilà, mes chers concitoyens rueilloises et rueillois, les décisions que nous venons de prendre. Et si d'aventure d'autres décisions sont prises, bien sûr, je reviendrai devant vous. Merci. Restez chez vous. Respectez le confinement. N'allez pas vous promener sur les bords de Seine. N'allez pas dans le bassin Cucufa. Ceci est strictement interdit.